Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Escape, le coiffeur qui est devenu fou, quoi. Hein, voilà, mon coiffeur, après m'avoir fait les cheveux bleus, il a eu la tête qui tourne et il s'est mis à couper les cheveux de tout le monde en mode what the fuck. Du coup, voilà, les amis, il faut qu'on s'enfuit d'ici avant qu'il nous fasse la boule à zéro. Avec ses peignes, évidemment. C'est trop stylé. Oh, non, c'est bon, ça passe. J'ai touché, hein, j'ai touché le peigne. Hein. Je me demande ce qu'ils avaient, ces peignes, mais... what? Mais pourquoi? Mais pourquoi vous faites ça? Alors attention, les ciseaux de la muerte, hein, les ciseaux de la muerte, je vous le dis. Faut récupérer les petits pop-points là. Hop là. Ça, c'est les poudriers. Hop là. Alors madame, ou quelque chose. Ah non, je voulais te dire bonjour. Bon, je suis quand même content. Alors, attends. Madame, je voulais juste te dire que c'est raté. Le coiffeur est vraiment devenu fou, en fait, je crois. Bon, attention. Hop là. Ah, des fers à lisser. Est-ce que je peux passer par là? Oui. Et par là aussi, oui. Ah, je crois que je me suis fait cramer par les fers à lisser. Bon. Alors, attention. Hop, hop, hop. Mais non! Faut que je passe sur la gauche, en fait. Faut que j'arrête d'essayer de passer entre les fers à lisser parce que je me fais cramer la tronche. Bon, c'est qui ouvre les portes, là, à l'infini, là? Mais non! Mais pourquoi? Je m'en suis bien sorti, pourtant. Je crois que le jeu me dit nope. Mais arrête! Il veut pas que je triche, en fait, je crois. Je crois qu'il ne veut pas que je triche. Bon, attendez, on va essayer de repasser par là, mais... Mais c'est dur! Qu'est-ce que je fais de mal, encore? Attends, il y a un monsieur. Vas-y, monsieur, pars devant moi pour voir. Quoi? Attends, on va y aller doucement. On va y aller doucement, les amis, ça devrait passer. Le dernier fer à lisser. Oui! Alléluia, les fers à lisser ne seront plus jamais un problème. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, c'est des rasoirs. Évidemment, des rasoirs. Oh la vache. Ça a l'air très grand. Je pense qu'on n'est pas prêt de sortir de chez le monsieur, là. Oh. Bah. Ah, c'est par la fenêtre? Oh, trop stylé. Ah oui, c'est un barbier, regardez. Hop, bon, alors attendez, parce que là, on essaie de s'enfuir, c'est bien beau, hein. Hop là. Alors maintenant, attention à ne pas reproduire à la maison. Marcher sur les fils électriques, il ne faut pas le faire. C'est pas une très bonne idée. Ensuite, hop là. On retourne sur les balcons. Hop là! Perfect! Ah! Madame, je crois que tes cheveux... ah, mais c'est réponse, en fait, tout simplement. Je crois que tes cheveux sont un petit peu longs, quand même. Mais ça a l'air d'aller. Hop là! Oh, des tondeuses électriques. Il faut évidemment pas marcher dessus, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bravo, Kossou, hein, bravo. Ça t'a pas arrangé d'avoir les cheveux bleus. Bon, là, honnêtement, c'est pas très dur. Hein. On passe par là, hop, hop, hop. Et c'est beau! Je sais pas qui c'est qui ouvre des portes, mais c'est très chiant. Attendez, est-ce qu'il faut sortir par là? Non. Évidemment que non, il faut monter. Hop là. Hop là. Oula, j'ai fait tomber. Oula, mais elle est trop petite la marche là. Ok, c'est good. Maintenant, évidemment, les ventilations. Les ventilations sont nos amis. Alors. Là. Comment ça se passe? C'est les têtes à coiffer. Et ça, c'est ma prochaine couleur de cheveux. Le rose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après les perruques? Oula. Le sèche-cheveux, le fameux. Qui nous repousse. Ah oui. Mais comment on fait là? Là, ça a l'air d'être bon. Hein. C'est bon. Ouvre-toi, Sésame. Ok, alors là c'est quoi? C'est de la laque? De la laque barbe à papa. C'est génial. Si seulement ça pouvait exister, je la boufferais toute la journée ma laque. Des carrés. Des carrés. C'est quand même joli, hein. C'est pas mal du tout. Alors ensuite, pourquoi est-ce que je sens pas les ciseaux de la muerte là? Mais c'est facile là. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? What?
Moi, je voulais aller dans la porte et d'un coup, je me retrouve dans les égouts. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Meilleure idée que j'ai eue dans l'année, hein, je pense. En tout cas, c'est trop beau, regardez. Oh, mince. Moi, j'admire le paysage et en même temps, je me fais mal. Narmol! Alors. En vrai, c'est pas mal. Bon, il aurait pu mettre encore plus d'algues, encore plus de. Genre des rats et tout. Ça aurait pu être trop stylé. Mais non! Mais. Le liquide vert là, des égouts qui est dégoûtant. Laisse-moi tranquille, c'est beau. Cette fois, je vais réussir. Promis, cette fois, je réussis. Oui. Ensuite. Sérieusement là? Mais madame, descends de mon. De... Non, monsieur, pardon. Descends. Oh la vache! Mais ça m'a l'air bien compliqué, dis donc. Oh. Alors là, c'était vraiment in extremis. C'est bon, on a réussi à sauter sur les boîtes. Ensuite, le retour du liquide vert, partie 2. Of the Revenge of the Dead. Hop, les tuyaux, les tuyaux, les tuyaux. Ah non, des épéricubes encore. En forme de boîte en bois, évidemment. Ensuite, on est dans la rue. Alors attends. Ah! C'est un speedrun! On court vite! On est content, hein, on est très content. J'ai fini! J'ai fini? Attends, il y a quoi là? Non, attends. Là d'abord. On prend ça là. Qu'est-ce qui se passe si je vais là? Rien! Là, il y a un monsieur qui nous dit: allez ici pour jouer à Échappez-vous de l'avion. Mais comment veux-tu que je m'échappe de l'avion, monsieur? Attendez, on va voir ça. Hein. Ah non, c'est un chantier naval! Ok! Bon, apparemment, il devait y avoir un rapport entre le barbier et le chantier naval. J'avais pas trop compris. Mais en tout cas, c'est trop beau! Genre le mec, il a géré. C'est trop stylé. C'était une mauvaise idée d'aller dans le goudron. C'était vraiment une très mauvaise idée d'aller dans le goudron. J'aurais dû y penser un peu avant. Surtout qu'il y a une échelle juste là, quoi. Alors ensuite, les lignes électriques. Hein. Je vous rappelle, attention aux lignes électriques, les amis. Hop là. Hop. Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Ah, on n'a pas le droit d'aller ici sans permission. Bon, on court. Hein. Il va pas nous rattraper de toute façon. Il bouge pas. Hop, ensuite. Le pétrole, hein, vous polluez là. Hein. Bande de pollueurs. Hop. On saute et on saute. Hop là. Bon, pour l'instant, c'est pas très dur. Hein, on a connu plus dur. N'est-ce pas avec le parcours le plus dur de Roblox? Si jamais. Vous connaissez pas le parcours le plus dur de Roblox, je vous mets dans le petit i en haut à droite. Évidemment, il a fallu que je dise que c'était facile pour me retrouver ses pieds sous terre. Alors attendez. Hop là. Hop là. Hop là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller checker la vidéo qui est en haut à droite si jamais vous l'avez pas déjà vue. C'est un parcours qui a été fait par un ami. Et du coup, il est vraiment pas mal. Et il est beaucoup plus dur. Là, pour le coup, préparez-vous de vous arracher les cheveux. Là, pour l'instant, on est vraiment tranquille. Hein. Hop là. Alors, cette maison est très belle. Mais on s'en fout. Alors, on se continue. Télé. Télé, 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 télé. Et là, on va être dans la maison. Oui! Bonjour. Ah, un sous-marin? Il fallait pas aller sur le sous-marin, peut-être. Oui. Fallait aller sur les caisses en bois, suis-je bête? C'est bon. Hop là. Ensuite, les petites plateformes. Tout va bien pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien. Hop là. On saute pour éviter les fuites d'eau. Je sais pas pourquoi je prends cette voie de maïté. Hop là. On ressort de l'endroit du sous-marin. En même temps, on est dans un chantier naval, normal. Oula. Le capitaine du bateau a pas l'air très content. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah! Non! On est encore avalé par un monsieur là. Non! C'est dégoûtant. Monsieur, je suis pas bon à manger, j'ai les cheveux bleus, je suis chimique. Mon coiffeur, il a peut-être mis du poison dans mes cheveux, on sait jamais vu qu'il est fou, hein. C'est pas vrai ça. En plus, il mange tout et n'importe quoi, le monsieur. Bravo. Je run.
Et je cours! Hop là! Bon, maintenant on s'accroche à sa colonne vertébrale, hein, évidemment. Mais. Colonne vertébrale. Bon, celle-là, ça a l'air de marcher, là. Ça a l'air de marcher, attention. Oui! Mais qu'est-ce qu'on trouve généralement après la colonne vertébrale? Le transit! C'est pas vrai, ça! Bon, il faut sauter dès le début, hein. Il y a notre tiempo de niesos, là. Hein. Oui! Oui! C'est bon, j'ai réussi, je crois. Attention! Est-ce que je suis dehors? Oui! Alors, on va savoir pourquoi, mais voilà, j'étais là-dedans. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut monter sur le plot et ensuite monter là? Non. J'ai pas compris, là. Ah, il y a une échelle! Mais que suis-je bête? Hop là! J'avais pas vu l'échelle. Voyons. Alors ensuite, punaise, mais c'est tout là-bas? Non, on a peut-être presque fini en fait là. Est-ce que je peux sauter? Oui! Je peux sauter. Alors ensuite, hop, 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 les flaques d'eau. Oh mon dieu, est-ce que vous connaissez ce genre de bord jaune là? Est-ce que vous les connaissez? Parce qu'à mon avis... Ouais, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est du speedrun. Hein? YOLO, j'aime trop les speedruns, c'est trop bien. Oui. Ah bah c'est fini. Checkpoint. Ensuite. Ici. 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 Hop là. Et à mon avis là, on est presque à la fin les amis. Hein. Je pense qu'on est presque à la fin là. Hein. Maintenant, on monte en haut du phare. Le grand phare. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Oh là. Tout ce qu'il y a derrière nous. Wouhou. Attention, qu'est-ce qu'il y a en haut du phare? Soit il y a une suite, soit c'est la fin. À mon avis, on va s'échapper dans l'hélicoptère. Ah, on est presque à la fin. Les dernières embûches sont devant nous. Alors par contre, les dernières embûches, mais pas les plus faciles. Hein. Bon, ça passe. Tadam! Alors le monsieur, il a aussi fait Escape Water Park Hobby et un truc avec... des sablés bretons. Je ne sais pas. Ou une éponge peut-être. Je sais pas ce qu'il a fait. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ça... Oh, c'est trop bien ce truc. Ah mince, bah du coup, non, c'est pas très bien en fait. Je me suis fait décomposer. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ce petit escape, enfin ces deux petits escapes même, vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en vous abonnant tout simplement. N'hésitez pas à aimer la vidéo en mettant un énorme pouce bleu comme mes cheveux. Et aussi à vous abonner à la chaîne pour pas louper d'autres vidéos. Et du coup les gens, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.